sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est la fête de la croix glorieuse, instrument par lequel non-chrétiens, non qui faisons partie et qui sommes le peuple de Dieu, nous sommes sauvés. Au seuil de cette célébration, reconnaissant nos pécheurs, demandons pardon à Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions
louons encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Nombres, chapitre 21, les versets 4 à 9. Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d'Israël, à bout de courage, récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons fait monter l'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un poteau. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent et ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un poteau. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons méditer dans le psaume 77 et nous répéterons. N'oublie jamais les merveilles du Seigneur ensemble. N'oublie jamais les merveilles du Seigneur. Écoute mon enseignement, ô mon peuple. Sois attentif aux mots que je prononce. Je commence une parabole pour dégager les leçons du passé ensemble. N'oublie jamais les merveilles du Seigneur. Quand Dieu frappait nos pères, eux le cherchaient. Ils se reprenaient, ils se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher, que le Dieu très haut est leur défenseur ensemble. N'oublie jamais les merveilles du Seigneur. Mais s'ils priaient, c'était pour le séduire. Avec leurs mots, ils le trompaient. Avec lui, il avait le cœur changeant. Ils ne croyaient pas vraiment à son alliance. N'oublie jamais les merveilles du Seigneur. Et lui, le miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Mais de fois, il retint sa colère au lieu de réveiller sa violence ensemble. N'oublie jamais les merveilles du Seigneur. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia, louange à toi mon Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia, louange à toi mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, aussi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés sœurs et frères, aujourd'hui l'Église célèbre la fête de la croix glorieuse. La croix glorieuse. Pourquoi célébrer un instrument? Pourquoi fêter la croix? Avant tout, nous sommes avec Frère Mio, qui sa croix l'était avant. Avant Jésus même, il était fait expérience la croix, quoi l'était un symbole de honte, quoi l'était un instrument infâme, quoi l'était considéré comme une chose abjecte. Yon instrument qui humilie moun dans sa moun nan yé, dans les mêmes mêmes. Juif yo yo te envahi ou encore occupé par les Romains. Romains yo, citoyens Romains yo, yo pas de droit mourir par la mort ça qui c'est la croix. La mort ça, type de mort ça, il était considéré ou encore réservé pour les Juifs. Ou pour moun que yo vle humilié même dans la mort. C'est ça croate. Avec Jésus, quoi li pral changer de sens. Quoi li pral vin sa n'ap célébrer jodi a un instrument de gloire. Et nous ka fait analogie ça. Qui est-ce qui bannou la vie? C'est bon Dieu. Pas gen l'autre monde qui k'ap bay la vie, pas gen l'autre monde qui crée la vie. Sans bon Dieu, comment y? Si ou pas gen bon Dieu dans la vie ou avant t'es rencontré bon Dieu, avant on fait expérience avec bon Dieu, comment la vie ou y? Avec Jésus croix, li pral tourner signe, instrument du salut. Autrement dit, avec le Christ, la croix sera la porte du paradis ou encore la clé du ciel. Dans la symbolique chrétienne, l'image du sacrifice par lequel Jésus nous a franchis du péché et de la mort. Voyez, instrument par lequel Jésus nous a franchis, c'est-à-dire Jésus libéré nous de tout péché et du germe de la mort. Par la croix, nous sommes sauvés. Par la croix, nous sommes tous affranchis. Par la croix, mais nous vivons cette expérience de paix, d'émancipation, de joie, de libération, chers et frères bien-aimés. Paul l'a dit, pour moi, il n'y a pas d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 14. Il n'y a pas d'autre titre de gloire que la croix de Jésus-Christ. Et croire, c'est deux morceaux de bois ou encore deux instruments de la nature qui baillent. Yon fait de manière verticale et l'autre là de manière horizontale. La croix, pour nous-mêmes chrétiens, c'est ça. Et c'est sous ça que Jésus était mort. C'est bon Dieu lui-même. Dieu qui est le tout autre, le Dieu ineffable, le Dieu tout puissant, et mais il est plongé dans sa noyée. Ouais, c'est la divinité qui est plongée dans l'humanité. C'est bon Dieu qui descend, il vient embrasser nous-mêmes sa noyée, dans faiblesse nous, dans honte nous, dans humiliation nous, et pour le prendre, pour le bailler, il y a un sens. Avant Jésus, quoi pas de sens? Avec Jésus, quoi? Les vins tournés, un symbole glorieux.
Avec Jésus, la vie a un sens pour avec ce monde. Avec Jésus, où sont l'autre monde pour avec ce monde. Avec Jésus, eh bien, vieille chaudière, ça a été avant, il a été humilié, il a été écrasé. Vieille monde, ça que il a dit, eh bien, avec Jésus, on vient donner un autre monde. On vient donner qu'on y a chemin par où même tout l'autre monde a passé pour jeune cœur content. On vient donner grâce, bénédiction pour tout l'autre monde. Avec Jésus, qu'on y a, on vient donner une référence, on vient donner un titre. Regardez expérience au monde fait dans la vie. Dans la famille, on sorti, il y a pas de jambon cité non. Au contraire, parfois, on te caillon honte pour famille. Ou pas travail. Et gain dit toute journée ou a mandé. Ouais, ou toujours sous checker, ou a checker. Des pour relon monde, monde là connaît son problème, on va le mettre devant. Ouais, ou te compte ou tout monde t'a fui. Tout monde t'a fui. Ou pas rien même. Sinon, ou même seul qui connait qui est sué, ou son monde petit bon Dieu créé à son image et à sa ressemblance. On y a ouais, pour Jésus, font téléphone sonner. Yo dit ah, travail là aujourd'hui. Ou pral signer jodi a, ou pral passer interview et puis dans interview a, bon, il y a bon 50 000 gouttes chaque mois. Ou bien 30 000 gouttes. Kounya là, ou commencer à changer tirade. Ou ti bay chiré, ou étant metam en soulier, clopi clop en les virer tellement metel. Ouais, pantalon en rapiécé, mi ou mi basso. Ou les mon abgado, eh ben, yo pas de konwe presque rien. Mais qu'on y a ces tirades frais ou à mettre, ouais. C'est Kenneth Cole, c'est Armani, Gucci ou à mettre, ouais, c'est parfum, ceci, cela ou à mettre. L'on passe quand on monte ou dans la rue, et puis à 3-4 mètres, ouais, odeur derrière, ou senti bon, ouais, mon apprenti sans tout. Ouais, qu'on y a là, on dit, ah, c'est cousine moi qui fait passer là. Ouais. C'est tonton moi, hein, c'est ma tante moi. Et c'est qu'on dit, nous avons fait préparatoire de la deuxième année fondamentale ensemble. Bon, il n'y a pas grand qui a presque la promotion. Oui, quand y a là, on vient tourner, il y a une référence. On vient gagner non. On vient gagner non. Parce que Jésus, grâce avec sang qui coulait sous croix, il a changé la vie. Et ça, quoi, tu on vient donner une vieille chaudière, quand y a, on vient donner une chaudière référence pour faire plus bon manger. Il y a des gens qui sont là. Jésus a un pouvoir ça pour avec ce mieux. Et avec Adam, un pied bois, l'arbre du paradis, a porté un fruit de mort. Mais avec le Christ, avec Jésus, un pied bois, il y a la vie, qui est le Christ en qui nous avons le salut et la vie éternelle. Dans l'étudiant, nous avons parlé de élever, de même que le serpent de bronze fut élevé au ciel. Et dans l'évangile là tout, ouais, c'est ce même verbe qui est cité, qui est nommé élevé. Là, ouais, mais ou attaché avec croix Jésus-Christ, ou par état terre. Ou son chrétien qui élevé. Ou son chrétien qui en l'air. Ouais, un monde qui attaché avec croix Jésus, qui était en bas cet arbre de vie, il n'est pas qu'un monde terre à terre. Il n'est pas qu'un monde qui a privé. Non, Jésus, il a pouvoir ça, il croit ça, il a vertu ça. Cette grande prouesse pour lui restaurer la vie, pour lui réformer la vie, pour lui bailler la vie dans l'autre sens, dans l'autre orientation, pour lui bailler la vie goût. Non seulement dans la bouche, mais tout dans la bouche et dans la vie tout l'autre monde qui a vécu bon côté. On ne va pas venir tourner un monde comme ça, on ne va pas venir tourner un monde comme ça. Non, on va tourner un monde qui a toute valeur, toute importance dans le bon Dieu. C'est avec frère Mio, nous tous et nous chaque, nous avons une croix à porter dans la vie. Non. Et croyons nous, il y a un sens, c'est là nous mettons Jésus là-dedans. Nous tous et nous chaque, nous avons une expérience. Mais quoi n'a fait dans la vie nous chaque jour? Et quoi ça, expérience ça, il y a un sens, là nous mettons bon Dieu au cœur de notre vie, au cœur de notre existence. Quoi n'est pas pour nous un symbole de honte. Quoi n'est pas pour nous un signe. Mais côté, n'a perdu, mais quoi il vient tourner pour nous. Eh bien, le signe de la paix grâce au sang Jésus versé sur cette croix. Je dis, hein, combien de croix vous avez porté dans la vie? Je dis, hein, combien d'humiliations vous avez pris dans la vie? Et qui te dit, à partir de l'expérience que vous avez fait avec bon Dieu,
La vie, il doit changer, même gens sans se croire, les changer. Dans le travail, la caille, il faut qu'on croit. On croit à côté de Christ là sous lui. C'est ça que parle du chrétien. N'a préparé nous pour nous entrer dans une veine qui va déboucher sur fête Saint Padre Pio. C'est un objet de ça nous relé d'exorcisme qui se croit. L'ennemi en lui peut croire. Satan lui peut croire. Et c'est pourquoi dans le là, dans le bureau, il est bon pour gagner un crucifix. Il est bon pour gagner une croix. C'est symbole de la lumière, symbole de la victoire, symbole de la résurrection. Et pourquoi pas, dans la vie par là même, vous faites pour qu'on croit par quoi Christ. Jésus dit non, et bien si on veut suivre lui, il faut qu'il prenne croix enfin, avec ce mieux. Il ne faut pas peur de croire dans la vie. Nous. Parce que nous connaissons quoi nous dans la vie nous, avec Jésus, nous avons remporté la victoire sur lui quand même. Chrétien, il ne peut pas peur croire. Et croire, il c'est chemin. Pour nous joindre bon Dieu. Ouais. Quoi, lui c'est trône Jésus-Christ. Jésus qui est élevé sous trône ni, et nous-mêmes même qui n'en pied trône ni, à l'instar de Marie, qui ouais, au pied du trône de Marie. C'est ça nous m'a chanté. Au pied du trône de la croix de Jésus. L'arbre de vie, l'arbre de la résurrection, l'arbre de la victoire. Et Jésus, c'est avec Frémio, il est prêt pour Libanon la vie. Il est prêt pour Libanon la victoire. Car c'est pour ça. Il était venu, non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Et pour lui faire nous gagner la vie éternelle. La vie qui ne peut jamais finir. C'est vrai, la vie nous sur la terre, c'est un péripétie. La vie nous sur la terre, quelquefois, c'est un calvaire. Surtout nous-mêmes, peuple haïtien. Mais nous connaissons quoi dans la potéa, nous-mêmes chrétiens. Quoi dans la potéa, dans le pays, nous. Quoi dans la vie, dans la vie, nous chaque jour. Mais c'est une croix qui a débouché. Sur la victoire. C'est une croix qui a débouché sur la victoire. Croix m'a porté dans la vie. Non, c'est une croix qui a débouché sur la victoire. Est-ce que vous croyez ça avec ce mieux? Quel que soit croix m'a porté dans la vie. Puis vous connaissez que c'est en bas croix m'a prêté. Non, ce n'est pas croix qui a monté sous, mais c'est vous-même qui a monté sous croix. À l'instar du Christ, vous va porter la victoire. Vous va gagner la vie. Vous va porter la paix avec la joie. C'est pour toute croix, non, yo. Transformé. C'est pour tout quoi nous yo, gain sens dans mon Dieu, avec mon Dieu. C'est pour tout quoi nous yo, porter la vie, arbre de vie, qui porter bon fruit. C'est pour tout quoi nous yo, tourner lumière, cap clairer nos routes, non, pour nous arriver jusqu'au côté bon Dieu, attendre nous, dans ciel là, pour nous jouer ensemble avec lui, la vie, qui va jamais finir, hein? La vie qui était là hier, qui l'a jeudi, hein? Et cap là pour tout en guettant. Saint Michel, défends-nous. Saint Michel, défends-nous. Défends-nous, souverain. Saint Michel, défends-nous. Défends-nous, n'importe Seigneur, aie pitié de nous. Ô Christ, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exauce-nous. Père céleste qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint consolateur qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité sainte qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Sainte Marie reine des anges, priez pour nous. Saint Joseph époux de la reine des anges, priez pour nous. Saint Michel archange, priez pour nous. Saint Michel archange, héros du Christ roi et de la reine du monde, priez pour nous. Saint Michel archange, miroir d'humilité, priez pour nous. Saint Michel archange, terreur des démons, priez pour nous.
Saint Michel Archange, protecteur et défenseur du Saint Sacrifice de la Messe. Priez pour nous. Saint Michel Archange, rempli de la sagesse de Dieu. Priez pour nous. Saint Michel Archange, parfait adorateur du Verbe divin. Priez pour nous. Saint Michel Archange, couronné d'honneur et de gloire. Priez pour nous. Saint Michel Archange, très puissant prince des armées du Seigneur. Priez pour nous. Saint Michel Archange, porte-étendard de la Sainte Trinité. Priez pour nous. Saint Michel Archange, gardien du paradis. Priez pour nous. Saint Michel Archange, guide et consolateur du peuple d'Israël. Priez pour nous. Saint Michel Archange, splendeur et forteresse de l'Église militante. Priez pour nous. Saint Michel Archange, lumière des anges. Priez pour nous. Saint Michel Archange, rempart des orthodoxes. Priez pour nous. Saint Michel Archange, force de ceux qui combattent sous l'étendard de la croix. Priez pour nous. Saint Michel Archange, lien de la charité fraternelle. Priez pour nous. Saint Michel Archange, lumière et confiance des âmes au dernier terme de la vie. Priez pour nous. Saint Michel Archange, secours très assuré. Priez pour nous. Saint Michel Archange, notre aide dans toutes nos adversités. Priez pour nous. Saint Michel Archange, héros de la sentence éternelle. Priez pour nous. Saint Michel Archange, consolateur des âmes retenues dans les flammes du purgatoire. Priez pour nous. Saint Michel Archange, que le Seigneur a chargé de recevoir les âmes après la mort. Priez pour nous. Saint Michel Archange, notre prince. Priez pour nous. Saint Michel Archange, notre avocat. Priez pour nous. Saint Gabriel. Priez pour nous. Saint Gabriel, plein de la force de Dieu. Priez pour nous. Saint Gabriel, très dévot gardien de la bienheureuse Vierge Marie. Priez pour nous. Saint Gabriel, qui avait annoncé à Marie l'incarnation du Verbe. Priez pour nous. Saint Gabriel, qui avait annoncé à Zacharie la naissance du précurseur. Priez pour nous. Saint Gabriel, protecteur des serviteurs de Marie. Priez pour nous. Saint Gabriel, notre avocat. Priez pour nous. Saint Raphaël Archange. Priez pour nous. Saint Raphaël Archange, guide des voyageurs. Priez pour nous. Saint Raphaël, doué de la grâce de guérir. Priez pour nous. Saint Raphaël, ange de paix et de prospérité. Priez pour nous. Saint Raphaël, gardien de l'innocence du jeune âge. Priez pour nous. Saint Raphaël, secours de tous ceux qui implorent votre assistance. Priez pour nous. Saint Raphaël, le saint ange du Seigneur qui fut envoyé pour guérir Tobie et Sarah. Priez pour nous. Saint Raphaël, protecteur des jeunes foyers. Priez pour nous. Saint Raphaël, notre avocat. Priez pour nous. Esprit bienheureux des neuf cœurs des anges. Priez pour nous. Esprit bienheureux des neuf cœurs des anges. Priez pour nous. Esprit bienheureux des neuf cœurs des anges. Priez pour nous. Agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Christ, écoutez-nous. Christ, écoutez-nous. Christ, exauce-nous. Christ, exauce-nous. Priez pour nous, ô glorieux Saint-Michel, prince de l'Église de Jésus-Christ. Afin que nous puissions être dignes de sa promesse. Priez pour nous, Saint Gabriel Archange. Afin que nous devenions de vrais apôtres de Notre-Dame. Priez pour nous, Saint Raphaël, notre guide. Afin que nous soyons fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, Dieu de bonté et de miséricorde, écoute les prières que nous t'adressons par l'intercession de tes saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Accorde-nous par les mérites de la passion et de la mort de ton Fils Jésus sur la croix, la grâce de vaincre toutes les forces du mal et de nous unir étroitement à toi. Amen. Amen. Yeah.
Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence, rien n'est plus important pour moi. Sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain pour que la vie surgisse à nouveau. Là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. C'est le Seigneur, Sanctus. Le Seigneur est saint. Sanctus. C'est le Seigneur. Sanctus. Le Seigneur est saint.
Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts
pour qui on a recommandé cette messe. Et souviens-toi, Seigneur, des défunts de nos familles respectives. Dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur chacune de nous qui participe à cette messe, sur tous ceux-là qui se recommandent à nos humbles prières, sur nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tous les amis de la paroisse, sur ceux et celles qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur existence, particulièrement ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de mariage et de naissance. Nous implorons ta bonté sur tous les souffrants, sur toutes les personnes qui expérimentent des moments difficiles. Nous implorons ta bénédiction, Seigneur, sur nos frères et sœurs qui participent à cette Eucharistie à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA. Nous implorons ta bonté sur tous les nouveau-nés et ta miséricorde sur les mourants. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et par la joie de la croix, et unis dans ce même esprit, disons avec confiance la prière que le vainqueur, le ressuscité, nous a enseigné. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pitié de nous, par pitié de
péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
Avec nous tout, faut ne pas oublier ça. Compliment pour bon Dieu nous, compliment pour grand maître là. À la merveille des faits, à la remène nous. C'est pour nous chanter, danser, c'est pour nous aider. Vive bon Dieu grand maître. Encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ce que tu as racheté par le bois de la croix qui fait vivre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. J'aimerais faire mieux en nous disposer nous pour nous faire prier à Saint-Michel Archange. Et ensuite, prier à Maman nous, Notre-Dame des douleurs. Ensemble, au grand Saint-Michel Archange, au même qui remplit avec sagesse bon Dieu, qui fort dans tout combat, venez porter nos secours. Soutenez-nous dans la difficulté et dans l'épreuve nous. Consolez-nous les nappes souffrir, tant que les nappes crier. Dans nos forces et courage, pour rien pas faire nous désespérer, ni douter de présence bon Dieu dans la vie nous. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous contre toute force mal. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous contre tout ennemi visible et invisible. Nous remettons tout combat à nous, la mer. Combat ou yo, croix ou yo, tête chargée ou yo, combat peuple haïtien, combat chaque haïtien. Nous remettions dans mes Saint-Michel. Saint-Gabriel Archange, au même qui s'efforce avec messager bon Dieu, portez-nous secours, campez avec nous, pour nous capables fort avec force bon Dieu. Campez avec nous, pour toute vie force était loin nous.
Fais-nous remplir avec force, bon Dieu, pour nous arriver à remporter la victoire sous toute force mal. Camper avec nous, pour nous toujours dire bon Dieu oui. Même Jean la Vierge Marie te dit bon Dieu oui. Léo t'a annoncé la naissance sauveur non Jésus-Christ. À travers eux-mêmes, nous voulons confier bon Dieu toute la vie. Saint Raphaël Archange, ou même qui compte faire guérison, n'a pas supplié pour guérir nous ensemble avec tout le monde qui est malade dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. N'a pas présenté tout le monde qui est malade dans la famille nous, à tout l'autre malade qui compte sur la prière nous avec secours. Couvrir nous en basello pour aucune maladie pas fait nos pères. Mais pour nous toujours faire bon Dieu confiance, les mêmes qui ont pouvoir guérir toute maladie à toute infirmité. Mais maladie, non, yo. Si j'aime maladie qui prend naissance, donc maladie qui fait une vie dans nous, maladie dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, monde qui n'est pas capable de dormir le soir. Moun ki pa gen la paix la journée tant que la nuit. Moun médecin, docteur condamné que c'est en bataille ou va guérir. Pa gen rien. Pa gen rien qui trop pour mon Dieu. Pa gen croix. Pa gen croix qui trop pour Jésus. Et avec Jésus pour croire nous yo. Tonen sous que content ak délivrance pour nous. Gloire à toi, Père. Alléluia. Gloire à toi, Fils. Alléluia. Gloire à l'Esprit. Alléluia. La sépulture de Jésus. Au retour du sépulcre, passant devant la croix, encore teinte du sang de son Jésus, Marie s'arrêta et fut ainsi la première à l'adorer. Ô croix sainte, dit-elle, je te baise et je t'adore. Tu n'es plus maintenant un bois infâme. Tu es un trône d'amour et l'autel de la miséricorde, consacré par le sang de l'agneau divin, qui a été immolé sur toi pour que le salut du monde, pour le salut du monde, demande-lui que du moins elle te permette de pleurer avec elle. Fais que je pleure avec toi. Elle pleure par amour. Toi, pleure par la douleur de tes péchés. Reine des martyrs, Marie, mère de douleur, par cette extrême douleur, que tu as offerte en voyant le corps de ton fils, Jésus, détaché de la croix, reposé dans le tombeau, où tu avais aussi renfermé ton cœur si aimant. Je te prie de m'obtenir que j'ensevelisse dans le tombeau de Jésus le vieil homme, la vieille femme, avec toutes ses passions, et que je me revête de l'homme, de la femme nouveau. Nouvelle, formée à l'image de Jésus lui-même, afin que je puisse mériter ta protection durant ma vie, ton assistance à la mort, et que je participe à ta gloire dans le ciel. Amen. Amen. Mon Seigneur Jésus-Christ, crucifié, ne permettez pas qu'aucune âme se perde, puisque vous nous placez sous les ailes de la protection de votre très aimante mère, comme enfant de ses douleurs, né au sein de ses larmes. Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de votre sainte mère, accordez-nous les grâces que nous sollicitons en cette septaine. Mandez grâce. Mandez, frappez, cherchez. Mandez rejoindre, frappez à l'ouvrir-bas-ou, cherchez,
Wajwan. Nous vous le demandons, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous, consolez-nous, délivrez-nous. Priez pour nous, Vierge très affligée, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Femme du bon Dieu, merci. Merci pour tout ça fait pour moi. C'est l'enfant sur ma vie. Chaque jour, femme du merci. Joyeux anniversaire de mariage à Eddie Simon et à Lismay, qui ont célébré 50 ans depuis qu'ils vivent ensemble. 50 ans l'amour. 50 ans pardon, 50 ans compréhension, 50 ans partage. Nous disons donc, in altum, avancez toujours. Bonne fête à Claudine Mentor, à Laurie Colas, membre du groupe Les Bien-aimés de Marie. Joyeux anniversaire de naissance à Marie-Lucie Augustin, à Rose-Claude, à Lenora de Hallendor, à Morancy Sabrina, à Paul-Raymond Pérodin, à Rafta Joseph et Kiara Saint-Fort. Joyeux anniversaire de naissance à Richie Jean-Pierre, Sonia Narcisse, Leslie Lario, Betty Compère, Harold Charles, Joubert Junior Blaise. Et joyeux anniversaire de naissance à Stéphanie, Gloria, Paul. Bonne fête à tout le monde qui aujourd'hui a célébré un événement heureux dans la vie. Bonne fête, je t'ai délivré. Bonne fête, je t'ai fiancé. Bonne fête, je t'ai fait. Bonne fête. Avec tout ça qui est bon, tout ça qui est belle dans la vie. Pas oublier, frère, avec ce mieux. Croix n'est pas un symbole d'humiliation encore, mais un symbole d'honneur, de gloire, de la résurrection et de vie. Pas oublier, la vie ou tout, il y a une croix là-dedans. Mais croix, c'est croix qui mène dans la lumière, dans la gloire, dans la victoire. Puis, gars, où j'en crois que la vie, pas de petit problème, mais problème, yo, les Jésus là, ou à remporter la victoire sur yo quand même. Ne pas douper quoi. Et avant, sans Jésus dans la vie nous, quoi nous, n'est pas de sens. La vie nous sont vieux chaudier. La vie nous pas de sens. Mais même le nous souffri, depuis Jésus là, eh bien nous connaît. Nous c'est mon capoter la victoire. Nous connaît. Nous pas crier tout le temps. Nous connaît. Nous pas grand goût tout le temps. Nous connaît. Nous pas vivre dans la honte, dans l'humiliation tout le temps. Parce que même Jean-Jésus changé sans croix, Jésus capable de changer sans la vie. Même Jean-Jésus changé sans croix, Jésus capable de changer sans la vie. Moi, je souhaite nous passer une bonne journée. Moment difficile, moment dur, mais gardez espérance. Gardez espérance, nous, l'humain, dans le fond de nous. Gardez femme, bon Dieu, nous, en là, les papes, je la guerre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous